Bon. Alors, il est rare quand je parle dans un jeu, comme j'avais déjà précisé dans mes règles. Alors, j'ai assez farmé pendant pas mal de. Pendant une semaine, j'ai farmé comme un taré. Et j'ai accumulé, bien sûr, j'ai trouvé grâce à des amis, hein, des cartes au trésor pour avoir des lingots. Hein. Voilà, j'en ai obtenu 6 750 dollars. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai pas en fait. Je vais continuer un peu l'histoire. J'ai pas mal aussi avancé dans les. Alors ça, je le ferai pas. Voilà, le seul problème. Pourquoi? Ben parce que je ne joue pas au poker. Et déjà, je trouve que c'est une sorte de. On nous l'impose. Voilà. Moi, je dis qu'on nous impose des choses qu'on ne veut pas. Donc, je ne ferai pas le jeu à 100% par rapport aux Assassin's Creed ou tous les jeux que j'ai fait. Pour pas mal de raisons, je trouve ça complètement débile. Voilà. On ne force pas les gens à faire. C'est des choses qu'on ne veut pas. Tout ça, c'est pour la durée de vie, je suis d'accord. Bon, là, cavalier, je peux pas le faire parce que là aussi, justement, on peut pas aller à Blackwater, tout ça, parce que vous faites fusiller. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça n'importe quoi. Mais bon, on fait pas ce qu'on veut. Déjà, ça, c'est un truc qui m'énerve. Et c'est bien une chose que je ne supporte pas. Donc, quand un jeu, je le fais à 100%, ça veut dire qu'il le mérite. Mais là, il ne le mérite pas, pour l'instant. Je peux changer d'avis aussi. Alors, les attrape-rêves, je ne sais pas si je ferai. Je trouve ça pas vraiment utile. On se croirait dans la forêt de Blair Witch, quand on voit les signes. Braquage magasin. Alors, les tâches, les défis. Ah oui, herboriste. Franchement. Il y a beaucoup de gens qui sont carrés moins. Je suis un bon cuisinier, mais autant jouer un jeu de cuisine. Là aussi, j'estime que j'étais une fois à un moment donné à 700 mètres, je pense. Hein, je pense. Mais ça n'a pas validé parce que je suis peut-être trop en avance dans le jeu. Je suis au chapitre 2. Ah, une chose aussi que je supporte pas par rapport à Assassin's Creed, je l'adore bien sûr, mais je préfère Assassin's Creed pour pas mal de choses. Hein. Assassin's Creed, ce que j'aime, c'est dans les progressions, n'y a pas des choses aussi stupides. Alors là, je suis obligé de faire du poker, non, je ne le ferai pas, donc j'ai pas envie, et c'est un truc qui m'énerve, donc on me l'impose pas, d'autres le font, tant mieux, je suis pas contre. Là, attendez, ce qui m'énerve, hein, afficher les détails, voilà. Une précision. Alors, la précision, pour eux, on voit pas où aller, en fait. Même si on fait le machin et on se dit, ouais, c'est bon. J'essaierai autrement, mais non, la précision, je me suis cassé les pieds. En plus, il faut attendre que le blabla se passe. Avancer avec le cheval. Et blablabla. Et blablabla. Je n'en vois pas l'intérêt. Dans Assassin's Creed, c'est pas pareil. Il n'y a pas ces choses-là. Après les nouveaux, je sais pas. Quand je me suis arrêté pour l'instant au Rogue, j'ai le Assassin's Creed Lost Odyssey. On m'a offert aussi le Tales of Arise. On m'a offert des jeux parce que mes amis m'ont toujours offert des jeux pour que je les fasse. J'ai des super potes, hein. J'ai des super potes, des super potes gamers aussi. Voilà, et les défis, bon, mais par contre, ce qui me dérange, c'est tuer les animaux, en fait, en parlant, ça me dérange. Je suis un homme qui me protège beaucoup les animaux. Donc voilà, là je vais faire l'histoire. Comme je vous ai dit, c'est rare quand je parle, je vous avais dit, je parlerai. Et ceux qui ont raté ça, ben ils l'ont raté quoi, voilà. Donc là il y a mon fils à la maison, je suis obligé de fermer la porte parce que lui aussi il est en train de jouer. Je lui ai offert Monster Hunter qu'il apprécie, et là il joue à Roblox. Même à 15 ans, il aime toujours Roblox. Il n'y a pas d'âge pour aimer un jeu. Alors pour l'instant le jeu, moi je l'adore, hein, il n'y a pas de problème. Hein, franchement, surtout pour la beauté des paysages, des choses qui servent à rien. Hein. Franchement, j'aurais préféré que le jeu se déroule à la Assassin's Creed Black Flag. Je suis
It's 14. cologne. It's liquor. It's cologne. Cologne, Germany. I just had a few nips, Arthur. I'm not drunk. I'm just happy. You know, you ought to try sometime. Drinking? Happiness. Try happiness. Just a little. D'accord, c'est tout. Ok. Ouais, on voit que. Ouais. Vaut mieux pas qu'il marche sur une ligne, hein, parce qu'il va se casser. Oh putain. Nom de Dieu. Alors, mais bon, j'avais des potes, mais on était résistants. L'alcool, oui. Soit ça porte la joie, soit ça porte les emmerdes. Quand les gens boivent, ils ne tiennent pas l'alcool. Et dans les jeux vidéo, la plupart du temps, il y en a qui tiennent pas, en fait, dans les jeux. Hein. Bon, alors, je me tâte, je sais pas si j'avance dans l'histoire, je sais pas si je vais continuer, parce que je vous dis de suite, je sais pas si je les ferai à 100%, j'ai pas envie de me casser la tête sur certaines choses. Pourtant, je devrais, parce que c'est un bon jeu. Mais les trucs de précision, c'est ce qui me dérange le plus. Voilà, ne pas se faire toucher, ça me dérange pas. Des 10 tirs à la tête, ça me dérange pas. Mais les précisions, c'est... Voilà, hein, allez vous faire un peu voir, hein, on va dire. Voilà, allez voir ailleurs ce genre de choses. Bon, allez, je vais avancer un peu dans le chapitre 2. Ah oui, tout ce que j'ai fait, au fait, oui, bah, vous l'avez vu. Hein. J'ai fait tout à fond. Bon, ben allons-y, c'est parti. Non, non, non. Oh putain, non, 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 non. Il est vrai que pour les succès, je vais faire ce que j'ai fait. Pas vu la dernière fois. Voilà, bon. Je vous dis, c'est rare quand je parle dans un jeu. Je vous dis, c'est rare, très rare. Donc là, c'est parce que je suis motivé un peu. Mais là, je vais me taire à partir de quelques instants. Parce que ça gâche ces vidéos pour moi. C'est pour ça que je n'en parle pas. Parce que les gens parlent tellement que les viewers ne peuvent pas entendre les voix, ne peuvent pas entendre ce que disent les gens et tout ça. Et je ne répète pas par contre ce que disent les personnages. Je n'ai rien contre les gens, mais quand je les vois jouer à des jeux, ils parlent. Bon, parce que les personnages ne parlent pas, mais ils parlent. Des fois, je me croirais dans Salut les petits, quoi. Voilà, on n'est plus à la maternelle, quoi. On n'est plus à l'école. On est capable de lire. C'est pas une critique, c'est juste que ça fait rire. Voilà. Bon, allez, moi, je vais jouer. Et je vais voir ce qui se passe là-bas. Ah, première chose aussi, ça c'est moi, parce que j'ai tellement de choses à dire, vous ne m'avez pas vu depuis longtemps sur Red Dead Redemption. Alors, j'ai trouvé beaucoup de pur sang arabe sur les chevaux, qui sont hyper bien. D'ailleurs, je vais changer mon cheval, c'est un pur sang arabe aussi, que j'ai trouvé par hasard. Il est magnifique. Je suis vraiment un protecteur des animaux, moi, je mange très peu de viande. Des fois, je joue pas contre... certaines choses, sauf le bœuf. Je ne veux pas de manger de bœuf à cause du cancer du côlon. C'est la première cause du cancer du côlon, le bœuf, l'alcool. Les cigarettes, je pense pas que ça joue vraiment un rôle, mais... Allez, on va aller chercher vite fait mes chevaux. Et je chasse que si c'est nécessaire, parce que je déteste la chasse. Je n'ai jamais aimé la chasse. Il y a assez de magasins et de nourriture comme ça au lieu de les chasser maintenant. Mais bon, on peut rien faire. Il y aura toujours des gens qui chassent les animaux. Mais j'aimerais les chasser. Moi, je suis comme Rémi Gaillard. Je suis comme Rémi Gaillard, moi. Je suis pour la protection des animaux. J'ai toujours été bon à sniper élite, parce que j'ai toujours en élite. Alors, plein cœur normalement. Plein tête normalement.
Oh merde. Ils en valent même pas la peine. Ordure. Allez, viens là. J'y crois pas, je parle en jouant. Franchement, c'est rare, je vous le dis encore une fois, c'est rare. Hein. Alors profitez-en. Parce que demain, je parlerai sûrement pas. Ah oui, et je joue sur console, hein, bien sûr, Xbox One. Voilà. Bon, maintenant je me tais. Profitez du jeu. Je parlerai que si c'est nécessaire. Oh non, j'ai oublié que... Il est magnifique. Damn. You ever let this horse feed? I'm sorry, but we're out of free livery space at the moment. Biscuit, je changerai de cheval. Ah, Gripoil. Alors, Gripoil, il faut savoir que c'est le cheval de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. I'll get that done for you. Goodbye now. And bring that horse back anytime. Un pur sang arabe. Il n'y a que les pur sang arabes qui sont magnifiques. Ah, moi, je l'ai apparemment. What a nice horse. Hey there. Yeah, good girl. Just a blind old fool. Don't be like me. Be a wise man. Be a fool for love. Ah, enfin. Help a blind man. I tell thee, bethink yourself before taking possession of another man's horse, for not all will go willingly. Well, mm-hmm. Okay then. Thank you, I guess. Ah oui, mais j'ai une histoire à régler. Normalement, j'ai Please, I need to be alone with my thoughts now. J'aimerais bien lui donner plus. D'accord, ok. Pauvre homme. Are you still here? What are you waiting for? Bah, je voudrais bien te donner de l'argent, mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, ce jeu. On fait pas ce qu'on veut. Okay, girl.
Il faut une biche, c'est vrai. Il me faut une biche, malheureusement. Non, plus tard. Bah, tu peux manger. Tu as mangé quoi, fiston? Tu joues à quoi là? À quoi tu joues là? De quoi? Just wait a second, girl. De toute façon, moi, il est hors de question que j'aille sur le Game Pass. Ça, c'est hors de question. Ah, d'accord. Papa, il a acheté un jeu tout à l'heure sur la première Xbox qu'il y a longtemps que j'avais pas. Il est défouloir. Par contre, c'est Kung Fu Chaos que j'ai plus. Il va falloir que je me le trouve, celui-là. Me le retrouve. Il est super ce chat. Oh, ça se fait qu'un loup m'a attaqué ici, je comprends pas. Oh, mais je vais donner de la pâté à Yuna. Alors, c'est lui magnifico. Oh, that's amazing. If you say so. Are you Magnifico by any chance? I'm not going back. She's a witch. She's a witch. Who? Presta. Well, Marjorie. She cares about you a lot. Well, I'm the talent. It's me. It's all me. I share the money with her and, you know, that thing. No, stay away. You've made love to her, haven't you? She's a succubus. She's a succubus. Stay away from me. Hey, partner, come back here. Oui, le Shaolin, oui, j'ai trouvé, mais pas le train fantôme. Le Shaolin, oui, on dit qu'il est imperturbable, c'est faux. J'ai tiré à côté de lui, c'est barré. Oui, mais oui, si. Et Tan, tu vois, tu m'as fait parler, maintenant j'ai perdu le nain. Oh, hey, partner, come back here. On va recommencer la mission.
Voilà pourquoi je ne pars jamais. That's amazing. If you... Hey, partner, come back here. Where are you running off? We're gone. She just wants to speak to you. Hey, will you talk? I'm going in alone. You're starting to irritate. What the hell are you pulling here? Oh, yeah, very clever. Oh, that's a neat trick. Very good, I'm gonna get you now. Come here. In a puff of smoke. Obscura! Now where are you gone? Magnifico! Can't magic out of this, partner. Come on now, she ain't as bad as all that. Ain't you led me on a merry old dance. Come on down now. Lady said you had a contract. You want me? Come and get me. Hey, hold on there. So long, dummy. Where are you? You zittle. Too bad about that train!
damn it! Ah! Oh! Oh, but boys! Oh no! No, no, no! Ah oui, d'accord, oui, il était au village. I ain't back. I'm gone. On the next train to the Great White Way. Really? You got enough for a ticket? Pah. Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French pox. Maybe I did. So what? What do you need a stump of a showman for? Same bad jokes? The same cheap tricks? In a package half the size? You got Bertram. You got Dummy over there. Who is Dummy anyway? The missing link? Shut up, you dimwit. You sold me out. You should watch your mouth. You don't need me. You're better off without me. Even you, Dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. That won't be more than a mouthful. You robbed me. Whoa. You robbed your brother. So you are going to be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Ah, some friends, some friends. We ain't friends. We're family, as much as it pains me to say it. Family? Still after everything? Of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Now, don't you ever run off on us like that again. Back together! Back together! Well, I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Thank you! Thanks for nothing, dummy. No get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. We'll be playing Saint-Denis next. Check with the box office. Here! No one said anything about splitting the gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye-bye. What I done to deserve you too? Ah, parce que je l'ai fait en or. Vous déconnez là. Ok. D'accord, j'ai pas le droit de stopper. Ok. Faut dire que ce jeu est un peu stupide, le cheval peut sauter des arbres énormes et il peut pas sauter ça, d'accord, ok. Connerie, quand tu nous tiens, tu pousseras pas plus loin. Et de moment, les développeurs mériteraient du copier dans le cul. Mais bon. Aucun jeu n'est parfait. Bref. Bon, excusez-moi, je reviens, faut que j'aille aux toilettes.
ça aussi. Ok. Non, d'abord je vais faire plutôt ce qui se passe ici. Morning. Good morning, mister. Hey, folks. Nice to see some friendly faces around here. Mm-hmm. Howdy. New in town? Gum? Candy? All the good stuff are on the shelves behind my counter. Tonics and medicines are on the table over there. Everything else, you should see the catalog. Don't reckon there's anything more I can do for Tommy. There's nothing for you back there, sir. Hey, that area ain't you. I mind you to treat my store with respect. What do you want? This is private. Get lost. You trying to provoke me, huh? For Christ's sake, get the hell out of here! Relax, friend. What the hell's the gun for? I will call the law if you keep it up. Let me into that back room of yours right now. Sir, please. You don't want to get involved with them, I promise you. You make them open up, or you're a dead man. Hey, open up. It's me. I brought some food and whiskey for you fellers. Yeah, it's only the duck. Don't try anything funny. Thought you were that cowpoke who bothered us earlier. Put it on the table. Looks like a nice little business you got going. You ain't killing me!
désolé. Welcome back. I'll just take care of that record for you directly. Thanks. No for this time of year. Feet are frozen. Giddy up! I wish someone would blow that bastard's head off. Yeah.
Oh mais merde, quel con! Putain! Désolé mon pauvre. Ah putain! Putain! Con de jeu là, on pouvait pas passer là. Putain de con de jeu, merde. Putain! See that? Fella's dead down there. Must have gone off the cliff. Yep. I think he's from that cabin up the way there. Poor bastard. Well, guess I'll tell the sheriff when I get to town. Je cherche pas à comprendre. Thank you.
Non, qu'est-ce qu'il y a à me proposer? C'est cette fois. Mr. Mason? Mr. Morgan! You want to be careful up here. Land is real treacherous. Sure. Real treacherous. I've been here before. Have you? Yes. Funny how things turn out. Never quite how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. Oh, it's my pleasure. Please, step away from the cliff edge. The eagle, there. Yeah, they're beautiful. But unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but, well, maybe a little. Please, sir. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Quite. Oh! Damn! You're right. I am that much of a buffoon. Give me a hand, please. Put me out of my misery. Come here. Oh, dear. Oh, thank you. You know what? Bugger the eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. Ok, d'accord. J'ai bien fait de toutes les faire, alors. Ok. Je comprends pas d'où elle partit, mais... je sais pas.
rien, c'est qu'un secouya. One day, mark my words. Get yourself some real food, huh? Listen, you have to take this. Ooh, that's real kind. You're the only one that was cruel to me. How do you do, sir? Glad to see you back, sir. Let me know if I can help you choosing something. To see you're taking care of it. So many people don't. Would you be interested in me changing some of the parts at all? You'll notice the quality of the workmanship. You won't find a better selection of firearms this side of the river. I can do some nice ornate engraving on there, if you like, good price. If you're heading anywhere near the slums, you should take a lot of bullets with you. Do you have enough ammunition for that thing? And will you be needing any ammunition? I can see you look after your firearm. Did you know a rifle barrel adds noticeable accuracy? We can do that to this model for a great price. You will feel the difference right away. Thank you.
Looks like you've been taking good care of that gun. I could add some rifling into that barrel if you want. Makes it much more accurate. You got no regrets with that decision. That'll give you a real edge. Glad to see you're taking care of it. So many people don't. Did you know a rifle barrel adds noticeable accuracy? We can do that to this model for a great price. You'll notice the quality of the workmanship. Looks like you've been taking good care of that gun. I have some better quality components if you're looking for the best. You will feel the difference right away. You got no regrets with that decision. You'll notice the quality of the workmanship. Do you have enough ammunition for that thing? Glad to see you're taking care of it. So many people don't. Would you be interested in me changing some of the parts at all? Looks like you've been taking good care of that gun. I have some better quality components if you're looking for the best. I can see you look after your firearm. And will you be needing any ammunition? Looks like you've been taking good care of that gun. We do a range of excellent sights for that gun. It can really make the difference. We stock some of the finest quality guns in the South. Do you have enough ammunition for that thing? Glad to see you're taking care of it. So many people don't. I've got some better stocks that would fit that gun. Can add to stability. I'll give you a real edge. I could fit some different stocks on you. Could make it more comfortable on the shoulder. We also offer an engraving service in case you are interested. Hello, sir. Hopefully that was your way till tomorrow, eh? You worry about yourself.
Looks like you've been taking good care of that gun. Would you be interested in me changing some of the parts at all? You will feel the difference right away. Let me know what you are looking for. You see the church across the street? Father O'Leary carries a gun, a Derringer. I sold it to him, just in case turning the other cheek doesn't work. Come on, please. I'm looking forward to testing this out. Oui, bien sûr, j'ai aussi tué presque tous les animaux légendaires. Voilà. Et j'en suis qu'au début du chapitre 2. Il m'en reste 3, dont un poisson. Thank you.
I may not speak the whole truth, but I speak some of it. Do you want to hear your fortune, sir? Sure. This is now the time of machines, the time of things, the time of man came and went as all things pass, as all things pass, my friend. All right. Travel safe. Non, d'accord. Ok. On sait ce qui va m'arriver. Bon, d'accord. Alors, au moment il y a le train fantôme ici, qui passe vers les 3h du matin. Donc, je vais essayer de vérifier si c'est vrai. Avant d'aller faire la mission. Débile. Bon, il est rare quand je parle, très très rare. Bon, avant de faire la mission, on va savoir si le train va venir à 3h du matin, minuit 13.
Bonjour, la table gauloise. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Oui, c'est très rare parce que j'ai décidé de parler juste parce que j'ai beaucoup farmé, beaucoup fait de choses dans Red Dead Redemption. Donc voilà. Ah oui, d'accord, tu es au dodo. Tu es au pieu. Ah non, moi même à mon âge, je n'arrive pas à dormir 8 heures parce que je profite beaucoup de ma vie. Là, j'ai fait du sport, j'ai fait un peu muscu, hein. Et j'ai pas mal joué aussi chez un pote, j'étais voir un pote. Je fais beaucoup de choses en ce moment. Là, je vais faire du repos, demain, je vais jouer. En tout cas, merci pour ton coucou. Là, oui, je suis en train de regarder parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube que le train, un train fantôme passe ici. Avant d'aller plus loin dans la mission, donc. Un de mes jeux préférés. Ben, en fait, j'adore ce jeu. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on nous force à faire des choses. Par exemple, voilà, parieur rang 1. Ça ne m'intéresse absolument pas de jouer au poker parce que je déteste le poker, donc je ne le ferai pas. Herboriste, c'est vraiment faire chier le monde. Franchement. Là, je peux pas le finir parce que je peux pas la Blackwater, autrement je me fais descendre de tous les côtés. Donc ce jeu, je suis désolé, je l'adore, il est bien, mais je ne le ferai pas à 100%. J'ai mené pas mal de jeux à 100%, dont les Assassin's Creed, mais celui-là, non. Non, c'est un peu de la tyrannie en fait, nous forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie. Mais autrement, le jeu est très bien. Si c'est pour s'amuser, pour faire des bons petits défis, des petites quêtes, ouais, il est bien. Il est très très bien. C'est surtout magnifique aussi. Mais mon jeu préféré, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bon, il est quelle heure? 2h du matin. Ouais, voilà. Voilà, ouais. C'est ça le truc, en fait, c'est que les développeurs ne pensent qu'à eux. En fait, ils font des trucs inutiles, qui vraiment, mais vraiment inutiles. Comme dit Conquerax, par exemple, pour les succès débiles. Eh bien là, en fait, on va dire que ce sont des défis débiles. Et moi, j'ai. Il y a longtemps que j'ai évolué, j'ai perdu l'habitude des défis débiles. Et comme je dis, il est très rare que je parle. Là, je me suis permis de parler parce que depuis les dernières fois que j'ai joué, j'étais à zéro de partout. Comme tu vois, j'ai 6 100 $ grâce à des amis. J'ai évolué de partout. J'adore faire beaucoup de choses avant d'avancer dans l'histoire. Et ce qui m'a calmé, c'est dans les progressions qu'il faut faire des trucs à 80% de précision. J'ai trouvé ça stupide, bon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? On les tue, les ennemis. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on les tue dans les fesses ou dans la tête? Je comprends pas l'intérêt. Là, c'est comme à l'armée. Hein. Voilà, on vise le cœur, on vise le torse ou le foie ou la tête. Mais la tête, c'est rare. Parce que c'est quelque chose d'assez précis. Voilà, moi quand dans le jeu vidéo je suis très pointilleux, hein. Je suis très. Et puis j'adore mon cheval, un beau pur sang arabe. Putain, il est beau. Et il me manque le noir, putain, il me manque le noir. Il faut que je trouve le noir et un pur sang arabe noir. Bon, mais je vois que le train ne passe pas à 3h du matin. Bon, mais on va aller faire la mission, hein. Hop. Allez. On va aller jusque là. On va passer par les rails. Qu'est-ce que c'est magnifique tous ces paysages, ça c'est. Je pense qu'on détruit le monde avec des immeubles de partout, surpopulation, pollution, gaspillage.
gaspillage de nourriture surtout. Il me fout en l'air. Moi. Oui, je l'ai vu, alors j'ai fait ce que nous a montré YouTube. Alors j'ai vu un moine Shaolin en train de faire de la méditation, parce que moi j'en fais la méditation. Ça m'a fait rire, je l'ai trouvé. Après j'ai vu des trucs complètement stupides. Là c'était vraiment... j'ai réussi une fois là, il fallait coller ta tête sur des maisons et tu vois ce que les gens, les couples font. Là tu donnes une fessée à son mari en train de lui faire... sa fandard. Mais le train fantôme, il faut avoir de la chance pour le rencontrer. Moi je pense qu'on peut le rencontrer, je pense qu'il a pas dû préciser, je pense qu'on peut le rencontrer à certains moments de chapitre, je pense. Après, je pense que c'est ça. Ce serait quand même pas le train fantôme qui va s'arrêter à la gare, un peu comme Ghostbusters. Winston. Ça a fait une centaine de morts. Vous n'êtes pas disponible à cause de vos récents agissements, revenez plus tard. Mais mes agissements, bah, j'ai plus rien moi, j'étais mêlé à une histoire, il fallait que je règle le compte et ça c'est stupide. Mais bon, c'est pas grave. En parlant de train fantôme, oui, de Ghostbusters, j'ai aimé le dernier Ghostbuster qu'ils ont sorti, putain d'hommage à Rod Aramis, franchement c'est vraiment un hommage. Le film est super avec l'héritage, le film Ghostbuster l'héritage, il est vraiment un grand honneur, un grand hommage. Allez avance, j'ai pas que mon cheval se fasse écraser quoi. Fois j'ai fait l'essai, on risque rien, donc ça fait partie de la mission. Mais qu'est-ce que c'est stupide, on fait pas ce qu'on veut, on peut pas aller à Blackwater parce qu'il faut être à 100%, donc est-ce que j'ai compris. Je sais qu'il y a un glitch aussi, mais les glitches ça ne m'intéresse absolument pas. Même les glitches pour des lingots d'or, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi je préfère le partout trésor, voilà. C'est pas de la tricherie, ceux qui font le glitch, bon, mais oui, bon après, voilà. Si on pouvait gagner de l'or aussi facilement dans les jeux vidéo que dans la vie, je glitcherais moi aussi. C'est comme un speedrun. Le speedrun devrait exister sans les glitches. Je trouve que ça devrait être loyal, mais bon. J'ai vu un japonais qui s'est battu pour Zelda 64. 6 mois. Pendant 6 mois. Il a même abandonné son jeu. Pendant 6 mois, il a bourriné. Il s'est 60 et il a réussi. Chapeau. Mes respects. Mes respects. Voilà, moi j'y vais. Hop, Mario. Alors, la dernière fois j'en étais là, alors maintenant cette fois je vais le faire. A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. Les uniformes. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters. Pictures of Dutch and Althea. A
Well, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Non, sans être montré sur votre cheval. Non, je vais monter sur ma bicyclette. Mais quelle question. Monter sur votre cheval. Non. Je vais aller à pied. Putain, c'est truc. Bon, c'est pas grave. Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I... Mais où ta putain de rivière, hein? Il me fait rire. Tu parles de cette rivière. C'est ça. Keep hearing about this woman, Heidi... McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Dutch and Jose say they do. Je vais en profiter, je suis à Blackwater. In the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Mine would have sold me for a hog's head of ale. In fact, I think they tried. Arthur! À Blackwater, j'ai bien envie de profiter de la situation, mais je peux pas, parce que... Oh, tant pis, si je crève, je vais tenter quelque chose, d'abord. Why are you stopping? Je suis sûr que je vais me faire fusiller avant. Et qu'il ne tente rien à rien. Les enfoirés. Ouais, ils ont tout prévu. Là. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Faut toujours tenter le diable avant que le diable te tombe dessus. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well. We'll rescue Sean and we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Heureusement que j'ai un bon cheval. Un pur sang arabe. J'ai passé mon temps à les capturer. Come on, girl. Les ours et tout. Le combat des ours, j'adore. Franchement, j'aime pas tuer l'ours. J'ai horreur de tuer des animaux parce que je suis un grand protecteur des animaux. Je suis comme Rémi Gaillard. Comme Brigitte Bardot. Je hais qu'on fasse du mal aux animaux. Ça, c'est. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Les animaux sont nos amis. Moi, j'ai un chat, une femelle. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Putain de merde. Bad day. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me.
keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. Donc on est pas you think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. It's never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missing those, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. En tout cas, je suis pas sûr de le faire à 100%. Le poker, les dominos, franchement, j'ai fait les Assassin's Creed à 100% en progression parce que c'était les trucs étaient moins cons, quoi. Franchement, mais bon, le jeu reste bien celui-là par contre. C'est un beau jeu surtout. C'est Rockstar aussi, voilà. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Ah, oui, d'accord. OK. Pendant la pause cinéma, on peut jouer. C'est bien, oui et non. C'est une vue subjective, une vue irréceptive. Look, they've stopped. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Okay, follow me. Je te suis. Moi, j'ai quoi là? Do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Stay here. Okay, on va jouer la Splinter Cell alors. Excuse me, dear brother. My wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? Get low, Arthur. Dear Bessie, she's taken the one on the left. Where is she? A terrible turn. Okay. I'm beside myself. If I lose Bessie. God damn it, Arthur! A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on, let's get up there. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Hey, lindo, those boots you got there, eh? Mm. Those are very nice. Who's the guy you got them from? Mm-hmm. Is he alive still? Mm. Come on, focus. Oh. Focus, okay.
Ah ouais, d'accord. Comme Sniper Elite. J'ai toujours aimé Sniper Elite parce que j'ai joué en élite, mais là, je me suis surpassé. Venu, je la ferme. Ah, il avait des burns. Bitch. Dire que j'ai tiré plus d'une fois au sniper moi. Okay. Eh, mais n'avance pas comme un tas, espèce d'abruti là. Oui, c'est un danger public. Canon allongé. Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess. Goddamn army of these bastards. How much is Charles now? Maybe we should turn him in ourselves. Still time. Let's push forward. Look out. We got one shooting from the tower. Sean. I suppose I'll be owing you for this one.
You're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind young whippersnapper can really admire. Shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles McGuire, encore un McGuire. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot, but fear not. The joy is back in your lives now. Je parie qu'il fallait faire. Putain. Bah, je les ai éliminés discrètement. Alors là, mais franchement, le jeu est n'importe quoi. J'ai éliminé près de la rivière les... Non. Ah, d'accord, ok. Donc les deux autres, il fallait les tuer discrètement. Autrement, j'aurais réussi. Ouais, bon, ça, c'est pas dur, en fait. Mais bon, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Au lieu de dire tuer tout le monde avec le fusil, sans subir de dégâts encore, j'aurais accepté, ça aurait été dur, mais... Franchement, c'est faisable, mais tant que c'est pas du précision, ça va. Pourquoi ils veulent que je reste ici? Il y a une raison, en tout cas. Enfin. Je peux le faire à 100%, c'est pas un problème, mais c'est juste les trucs de précision qui me dérangent. Autrement, le reste... me dérange. Me dérange pas. Non, vous déconnez. De la loi. Non mais je rêve. Il s'est passé quoi là? Oh, c'est bien Rockstar. Franchement, les développeurs, ils auraient pu nous passer le mot précision. Franchement, c'est... Ah, enfin, c'est du faisable, bien sûr, mais le problème, c'est les parieurs. Voilà, c'est ça qui me dérange. Ça, franchement, ça, et herboriste. J'ai vraiment une gueule de botaniste, franchement. Nom de Dieu. Je ferai Assassin's Creed aussi, Lost Odyssey, j'ai Thales of Arise, j'ai plein de jeux à faire sur PS2, Dreamcast encore. Donc. Ajouter la précision au fait sur Dreamcast, oui le jeu je l'avais acheté quand il est sorti, donc il y a Watch Challenge 2, le meilleur jeu de voiture que j'ai joué. J'avais jamais réussi à finir le jeu entièrement à toutes les équipes et bien sûr grâce à internet, l'anglais on peut le traduire, donc là j'ai réussi. Voilà. Je suis fier de moi quand même au bout de 22 ans. Avoir fini le jeu. Maintenant j'aurais bien retourné là où j'étais. Ah merde, c'était où? C'était
C'était ici, si je m'abuse. Où j'y retourne maintenant? C'est bien ici, si je m'abuse, ou là? Ou là? Je crois que c'est ça. Fort Riggs. Je vais y retourner maintenant. Putain, j'ai fait presque le jeu en or, mais il a fallu que... Ben, je vois pas trop la discrétion des deux autres. Moi, je pense que je ferai certains défis, puis je demanderai à un ami qui est bon au poker, parce que moi, le poker, c'est pas mon truc. Pas mon truc du tout, parce que j'en ai rien à foutre du poker. Encore ça ôter la belote, ouais, pourquoi pas. La belote, mais bon. Voilà, mais là, j'ai pas visité cet endroit. Merde, c'était où? J'arrive plus à me repérer. Bon, c'est peut-être là. Moi, je pense que c'est ici parce que j'étais près de la rivière. Ça peut pas être là. Ah ouais, c'est ça, c'est bien. Bon. Et donc c'est fait. Oh putain, c'est pas vrai. Allez, on va faire cette mission, j'espère que je vais rien rater, parce que, j'espère.
là. Attendez-moi, je dois faire un truc, je reviens. Je reviens. Mais mon fils s'est endormi. Il a joué à Monster Hunter là et il s'est endormi. Bon là il dort bien. Faut savoir que mon fils a pas un cœur comme les autres, il est malade du cœur en fait. Il a un putain de souffle au cœur avec autre chose. Donc, là il s'est fait opérer le 3 avril d'un ongle incarné. Il va avoir une anesthésie générale, mais tout devrait bien se passer. Je suis inquiet, mais tout devrait bien se passer. Take it easy. Hey, there you are. Ha. Arthur. Oh, Arthur. You seem in a good mood. I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Okay. We having a party? Maybe. Just a little one. Great. Here we go. Well, Mr. McGuire is back. We're back home so now. Come on. Let's oh, everything's going to be okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, your crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. Did you get a bump on the head? And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the park. Now Deadeye Maguire's back. And don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have lots of fun. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. Uh-oh, here comes trouble. I just can't get rid of you, can I? Mind if I join you, fine folks? Avant quelque temps. I suppose. You're looking lovely as ever, if I may say so. Oh, stop it. Imagine riding...
Ah oui, d'accord, ok. With him all the way from Blackwater to here. Mr. Maguire. Hey, stupido. So, what now? Come on. How about a song? Did you miss him? You know, I think I actually did. He's been through a lot. Me too. I enjoyed a party, Molly. Oh, yeah, I'm enjoying it. Ouais. Pour des fêtes comme ça, il faut aller au Périgord. Moi, je suis de la Gironde, mais je suis pas dans la Gironde, moi, je suis dans le Lot-et-Garonne. Pour la fête comme ça, il faut aller au Périgord, du côté de Sarlat, du côté de Montpazier, bonbon du Périgord. J'adore faire la fête sur tous ces points, que ce soit la fête moderne, campagnarde, mais aussi avec des potes. Avec mes potes, je fais la fête des fois sans alcool, bien sûr. Parce que l'alcool, non. J'ai arrêté il y a 18 ans, l'alcool. Et la clope, ça va faire 7 ans cette année. J'ai arrêté 3 fois et là, c'est la bonne. Bon, moi, je vais faire autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Au bureau du shérif, s'il n'y avait pas une mission. C'est ça qui me déroule, c'est les quêtes. Il n'y a pas de quête, il n'y a que des défis, il n'y a pas de quête en fait. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de quête. C'est pas le défi, ça va un moment quoi. Ça saoule en fait. Moi je préfère les quêtes, je sais pas, les bonnes choses. C'est ça qui m'a saoulé, c'est qu'il y a un manque de quête. Relax. Your fellow countryman returns. Apparently. Well, enjoy. A classic Sean Maguire speech. Yes, he's definitely back. We needed a reason to celebrate. But how about something a little more civilized? It's good to be back. I even missed you, you old bastard. And I missed a good excuse to celebrate. And if you can tell the difference between us. Of course, Dutch. Après je vais pas tarder à arrêter parce que je vais regarder le Hobbit, j'adore. Et ils font la fête jusqu'à combien de temps là, parce qu'ils vont me saouler là. C'est bien beau mais bon. Whatever else is in store for us, Arthur, I'll tell you one thing. What's that? D'accord. The rare old pleasure not to be freezing our balls off up in those mountains. You're not wrong there. Be well. And you, Hosea. Well, you girls actually appear to be working. Ah si, il y a cette mission là. Speak to them for me. Menacé. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there.
It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. Ready to talk, boy. I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. Putain, il est 4h30 là. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. Je vais arrêter là parce qu'il est 4h30. Je ferai la suite demain, je pense, ouais. Mais là, je vais arrêter là. J'ai pas vu le repasser, j'ai cru qu'il était 3h30, il est 4h bientôt et demi. Ouais, voilà, bon, je discute un peu. C'est rare quand je vous dis je discute. C'est rare. Donc là, je vais arrêter là, je ferai la suite. J'avais aussi fait un bout de début de Red Dead Online. J'ai fait une femme. Très très belle. Je suis pas... Voilà. C'est un très bon jeu, hein, y a rien à dire, mais le seul problème, ce sont les défis stupides. Le parieur, on n'en a rien à faire. L'herboriste, on n'en a rien à faire. Voilà, quoi. Et aussi, dans certains défis, de dire aussi tuer des ennemis avec précision. On s'en moque de les tuer avec précision du moment qu'on les a tués. Autrement, le jeu est un très bon jeu. Ils ont mis du temps. Très, très beau. J'ai rien à dire. L'histoire est super. Mais bon. Je préfère jouer aux Assassin's Creed pour le genre de progression, le système de progression et le système de défi. Voilà. Mais ça reste un bon jeu. Il n'y a rien à dire sur ce point. Moi, pour ma part, bon, ça va bien dans 3 ans, ça fera 50 ans que je joue aux jeux vidéo. 50 ans, rendez-vous compte. Donc il y a des jeux vidéo, j'en ai fait, j'en ai vu. J'ai vu des bons jeux, des mauvais jeux. Des jeux merdiques que j'ai trouvé merdiques mais qui étaient bien. Et bon, là je m'attends des fois au pire. Là j'ai vu un remake. Le remake de Resident Evil 4. Alors je n'ai jamais joué Resident Evil 4, c'est le seul Resident Evil que j'ai jamais joué, c'est le 4. Va falloir que je m'y mette à jouer à l'ancien. Et le nouveau, je l'ai vu. Waouh, franchement, magnifique. Donc il est magnifique, franchement, après il faut voir le jeu lui-même. Il y a le Sniper Elite 4 que j'ai pas fait, ni le Sniper Elite 5. Je vais jouer à un jeu PS2 aussi, j'en ai vu là. J'aimerais jouer avec mes consoles, mais bon, voilà. Il faut acheter des cartes d'acquisition. Enfin, un boîtier surtout, et des fois deux boîtiers, parce que surtout pour certains, pour les prix Spiritel. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à acheter. J'ai une tour, trois PC portables,
Mon unité centrale, très bien, j'ai envie d'en acheter une deuxième, parce que mon unité centrale doit avoir dans les... Un an, pas plus, parce qu'avant j'étais sur PC portable, donc je tournais sur trois PC portables. Je compte m'acheter en fait au total deux unités centrales. Voilà. Une qui me servira de bureau, mais assez puissant. Puissant, je veux dire normal, quoi. Voilà, normalité, quoi. Et demain, je vais jouer encore Red Dead Redemption 2 et un autre jeu. Je sais pas, je vais voir sur Play 2. Voilà. Puis j'ai mon jeu Dreamcast à finir complètement. Bon, je l'ai fini complètement, mais il faut juste refinir l'histoire, voir si je débloque une autre voiture. Et après, ce sera terminé. Je ferai aussi Evil Dead. C'est pas super, mais j'aime bien le film. Bon, mais sur ce, voilà, écoutez, je sais pas si je parlerai demain, ça m'étonnerait. Voilà, je tenais à parler juste pour dire que le temps, tout ce que j'ai fait sur Red Dead Redemption, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses avant d'attaquer les autres chapitres. C'est mon truc à moi. Voilà. Allez, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit pour certains. Je vous dis bonne nuit et à bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Et comme déjà.